Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de livre. Voilà, je vais faire la présentation avant que ça parte sur Vinted. Parce que bon, bah j'ai. Je les ai pris en PDF, voilà. Parce que. Je pensais pas les faire sur le papier, vu que c'est vraiment du papier. Mais vraiment le papier. Enfin, je vais vous montrer. Ah, c'est Imagestix. Donc là, c'est le Spring. On voit vraiment à travers, hein, mais vraiment. Hein. Je pense qu'il y a différentes sortes de papier Amazon, je sais pas, mais celui-ci, il est vraiment pas ouf. Donc, ouais, je préférais imprimer sur mon papier. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps, mais du coup, j'en ai imprimé deux. Et ouais, j'ai préféré faire là-dessus, même si, j'avoue, c'est pas forcément ma cam. Voilà. Je trouve ça super mignon. Quand Melo l'a fait ou sur Edgito. Superbe, mais voilà, j'ai du mal à, voilà, j'ai du mal. Ça viendra peut-être, mais bon. Donc le Matchstick Mouse a Springtime Chromebook par Morgan O'Brien. Morgan O'Brien, O'Brien, on sait pas trop. Donc, mais ouais, c'est vraiment. Ceux-ci vont partir. Voilà. Ceux-ci, je dis, ouais, parce que j'en ai deux en version papier, donc ils vont partir sur Vinted. Parce que voilà. Je ne colorerai pas dedans. Je ferai un PDF. Pour celles qui adorent utiliser les feutres alcool. C'est vraiment mignon. Donc ça, c'est la couve. Là, voilà, quand on... Le petit ciel comme ça. Je ne sais plus ce que j'ai fait du mien, du coup. Je l'ai fini quand? Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et bon, quand c'est que vous aurez la vidéo, j'ai fait celui-ci. Ça, c'est dans le summer. Pas dans le spring. C'est vraiment mignon. Hein. Et là, je crois qu'il a compris. Sur son Ko-fi, il a mis. Où il est en train de mettre les autres. Voilà, tous les autres bouquins, il les met en version PDF. Donc, merci à lui. Il y a avec Rogou là qui me plaît pas mal. Donc je pense que voilà. Les versions dinosaures aussi, il en a avec des dinosaures. Donc je ne sais pas si jamais Liam veut mettre en couleur avec moi, ça peut nous faire des colos sympathiques. Non, c'est vraiment mignon. Franchement, c'est vraiment mignon. Mais vu que c'est du line art, on va dire que j'ai un peu plus de mal à. Non, le Disney, c'est pas du grayscale et j'y vais facilement, mais je sais pas là. Là, j'aurais eu besoin d'un petit grayscale, je sais pas. C'est vraiment mignon. Franchement, c'est vraiment mignon cette petite souris. Je suis moins fan de la version. La dernière qu'il a faite pour le nouvel an, je sais pas quoi, là, c'était pas ouf. Et. La version Animal Crossing, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Celui-là, il est chou quand même. Le Spring, il est vraiment sympa. Et même là. Voilà. Ouais, j'aime bien. Il faudrait pas que je le fasse en live, peut-être que je me mette moins la pression, que je me fasse ça de mon côté, vraiment détente, et je sais pas. Je sais pas. Parce que oui, l'autre, je l'ai fait en live et je sais pas, j'étais un peu tendue. En plus, j'ai voulu le faire avec les Black Edition, un crayon que je connais pas plus que ça, et pour l'instant, je les apprécie pas de ouf. Donc. Je retente l'expérience avec bah, les Prisma, je pense. C'est vraiment trop mignon. Je pense que Mélo a dû faire les trackers de ceci, peut-être. Pour que je m'en imprime un et que
Je me les sors déjà tous en PDF, ça pourrait être bien que je me rachète des petits. Non, je voulais les faire en A5, mais ça va pas en A5. J'avais essayé, ça rend moche. Donc non, il va falloir que je me reprenne des porte-vues. Ça m'ennuie. Mais si je les sors pas, ça va être compliqué avec moi. Je me connais, je me connais. Mais bon. Non, elles sont vraiment mignons, hein, franchement. Voilà. Pour cette présentation, je vais vous faire le summer à la suite, hein, bien entendu. Vous vous doutez bien. Donc on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao, ton colo.